Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirate Quartermaster avec notre quartier maître Boucher et son fantôme de frère. Ça se passait plutôt bien quand même, je pense qu'on peut dire ça. Un petit peu la galère sur certains trucs, mais on venait de récupérer un nouveau bateau. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, on a quand même pas tant de place que ça. Mais notre objectif étant d'arriver à un endroit où on pourra se poser, à savoir une nouvelle ville, il y a quand même peut-être moyen. Alors, on va plein est. On a un vent de force 2 tout pourri. Notre objectif est d'arriver dans une nouvelle ville. Hein. Donc on va essayer d'aller sur cette ville-là. Malheureusement, on n'avance pas. Alors, est-ce que du coup, à la place, on pourrait pas, par exemple, réparer notre bateau? Genre toi, là. Réparer un peu le bateau, est-ce qu'on avance toujours? Ouais, on a un vent de force 2, on va pas faire de folie. Z-King au gréement, mais t'es chauffeur, hein, ouais. Notre gabier, on a des gabiers normalement. Gabier, on en a deux. Pourquoi on en a pas un par Karl? Qu'est-ce que ce bordel? Viens là, toi. Debout. Et tu faisais rien. Amine et Neku ils font rien. Alors qu'est-ce qu'on a comme poste de combat? 1 à la vigie, 1 à la barre, 2 au gréement. On a que 5 personnes au canon. Oui Amine t'es censé être à l'infirmerie mais on n'a plus d'infirmerie. Forcément ça joue. Est-ce qu'on a moyen de faire une infirmerie? Pas vraiment hein. Si on a 2 en plus donc on peut virer ça. Et mettre l'infirmerie à la place en fait. Parfait. On fait ça. Et du coup, l'ami Amine peut retourner à l'infirmerie pendant les combats. Bon, je pense qu'il va falloir un moment avant qu'il passe médecin, mais on sait jamais. Hein. Cela étant dit, du coup, lui il est gabier, il fait rien, il va au gréement. Toi. Il y a l'autre qui est en train de réparer devant là. Ouais. Z-King, voilà, Z-King. Tu vas aller nettoyer parce qu'il y a quand même pas mal de tôles d'araignée. Donc on va laisser le gabier s'occuper des gréements pour ce coup-là, et on verra quand on sera en ville. Où est la cloche? Ici, c'est parti. Notre moral est pas fifou, hein. Nous sommes passés en plein milieu de récit. Ah bah super, il est inévitable que notre coq ait pris un coup. Prenons le pavillon bleu. Ça me va. Et du coup, bah, on a douillé. Y'a personne au gréement. Bah si toi t'es censé être au gréement. Ah non, reprenez vos positions, voilà. Parfait, Malvin, tu fais quoi? T'es notre maître voilier, parfait. Toi t'es notre musicien, tu vas aller aux réparations. D'autant plus que notre coq a pris visiblement. On va essayer de réparer quand on sera en ville. On y sera au prochain tour. Donc c'est parti. Nous sommes arrivés à Olaf, 3 quarts, c'est le matin, ça me pourrait m'aller, est-ce qu'on pourrait en avoir un petit peu plus? Ok, parfait. Alors on va direct pouvoir refaire nos transactions, n'est-ce pas? Cette fois en faisant pas n'importe quoi. On va dropper le charbon, on va dropper le métal, on va acheter tout ce qu'ils ont de tissu. Au niveau des vivres on est bien, au niveau des bois on est bien, au niveau des boulets ça se vend vraiment pas cher. Donc on va le garder, au niveau de l'alcool on va en vendre un. Au niveau des canons, on va vendre... il a plus d'or, merde, il a plus assez d'or. Est-ce qu'on a besoin d'acheter des choses? Pas trop hein, on vend tout notre charbon, on n'a pas de coquerie, ça nous sert à rien. On achète tout le tissu qu'on peut, les vivres. Ça suffit pas de toute façon si j'en prends. Les vivres on va les pêcher hein, donc c'est pas trop un problème. Les boulets du coup on va les garder. Allez c'est parti. Voilà, en avant. Alors, notre charnier, à quoi il ressemble? 9 quarts, on va le vider. Hop. On a quelqu'un au puits, donc même si on donne les rations, le prochain coup ça ira, parce qu'il me semble qu'on est un petit peu en soirée quand même. Toi au doc. Toi au doc. T'as écrit dans le livre du savoir. Parfait, montre-moi donc ça. Ah, là oui, parce qu'on a notre nouvelle coque, forcément. Et j'en profite pour vérifier les docks, à chaque fois j'oublie, c'est 2 tonneaux par personne.
Donc il va falloir y aller un peu plus violemment. Écoute, mon ami, toi tu es malade, tu vas aller porter, comme ça tu prendras le bon air de la ville. J'ai envie de dire. Go! Ici. Plein de monodoc et Jilid qui fait rien. Jilid, tu vas au puits. C'est parti. Bim. On part dans 4 quarts. On devrait avoir fini. Hein. On a peut-être même déjà fini. On a fini, parfait. Alors, toi tu vas aller là. Toi tu vas aller au gréement. Ça serait bien quand même qu'on répare un petit peu notre voile. Toi tu vas aller. Non, toi t'es un pêcheur. Flo, tu vas aller pêcher un peu. Et toi tu vas réparer. Normalement on a de quoi réparer quand même. Hein. D'ailleurs au niveau du bois, on sait pas combien il nous faut parce qu'on n'a pas de charpentier. Deux quarts pour un gabier, il va falloir pour réparer, on est bien, niveau tissu ça va nous consommer pas mal mais tant pis. Ok, l'alcool c'est bon. On a un emplacement vide, c'est pas tant que ça. Hein. On pourra mettre notre charnier là, on a peut-être pas besoin de 8 de charnier. Beaucoup de boulets en haut, les vivres, l'or, le tissu, ouais, c'est pas fou. Regardez ces deux emplacements. Il a toujours pas de thune, hein, il regagne pas de la thune. Hein. Ah, il regagne de la thune. Donc maintenant on pourra lui vendre nos canons si on voulait. Bon, un canon, c'est pas fou. Ça va peut-être pas le coup de s'emmerder. Il a refait ses stocks de tissu aussi. Ah, il a refait ses stocks de tissu, mais c'est parfait. On va lui vendre quelques canons, reprendre du tissu. Reprendre un petit peu de bois, du coup. Un petit peu plus de bois même. C'est parti, vu qu'on répare. Alors du coup, il faut qu'on mette des gens à portée. Toi, tu vas aller au dock. Malvin y répare. Toi t'es au puits, toi t'es aux réparations. Un qui nettoie là, au dock. Il nous reste combien de quarts? 4 quarts, on est 2, c'est bon. Oh putain, ils se guérissent pas, hein. Ils sont tellement malades. C'est le drame, on va devoir leur filer des médocs parce que... J'ai pas regardé ce que nous dit notre ami tavernier. Et notre ami qu'on peut... Non, on peut pas recruter. On peut pas recruter, c'est pas grave. Ici on a 3 personnes qui travaillent au dock et il reste 4 tonneaux, donc ça suffit, c'est trop même, c'est beaucoup trop. C'est qui notre gabier dans ce car? Toc toc toc, le gabier c'est le petit machin là, dans ce sens là, donc c'est Neku qui est au canon. Neku, tu vas pas au canon, tu vas au gréement. Voilà, on a encore besoin d'un petit peu de temps. Amine, et ben écoute, tu vas aller au puits. On a quelqu'un au puits. On a quelqu'un au puits. Donc tu vas te contenter de nettoyer. De qui nettoie au doc, au gréement, c'est pas mal. Go! C'est l'heure de manger et de boire. Allez, en avant. Ça leur a pas trop réussi. Hein. Je vais vous demander de partager le butin, je pense qu'il s'agit du bon moment. Oui, pourquoi pas. Alors, si on met les primes qu'il faut, ça va être un peu le drame. Mais on va le faire, hein. Il faut quand même qu'on les paye à un moment. 50, 53, 57. Risible la part, hein, mais bon, bah tant pis. On a 0% de majoration, mais bon, quand même, faut quand même qu'on paye les primes, ça va améliorer un peu le moral. La part est risible, bon bah la part est risible, hein, c'est comme ça. Notre équipage, quand même, se bat et perd des morceaux. On peut quand même peut-être se permettre de leur donner un petit peu. Alors, une nouvelle chasse partie. Ah, parfait. Alors, une nouvelle chasse partie. Donc on a vu que quand ça s'était distribué le matin,
Il passe de très bas à bas. Et ben, on pourrait mettre plus d'eau et plus de bouffe pour les malades. Les différences sont tolérées, pourquoi pas. Ici on leur accorde du repos, ils s'en foutent. On met une petite majoration. Une grosse majoration, ils s'en foutent aussi. Difficile cet équipage, difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on diminue la prime, ça change rien, ils s'en foutent aussi. Est-ce que on aurait moyen de dire on accepte les femmes? Ça change rien. On peut tenter. Si je joue là-dessus, ils s'en foutent. Tolérer, non, ça fait passer le capitaine à moyen et les autres s'en foutent. On a droit à une bouteille d'alcool par part. Si on diminue la part là, ouais, le capitaine gueule forcément. Si on met ça, non. C'est tendu, hein. L'équipage est franchement pas de super humeur, on va tenter. 12 votes pour. Ah cool, 12 votes pour. On accepte les femmes désormais. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et on va arrêter de perdre des gens à cause des duels. Ça, c'est cool. Une bonne chose de faite. Alors du coup, on va peut-être avoir des femmes qui vont être révélées. Alors que nous dit déjà lui? Un officier charismatique rassure les marins par sa seule présence sur le navire. S'il est là, c'est qu'il doit y avoir une raison, se disent-ils. Nous, on est charismatique, nous ou pas? On est fournis tels les babines du Mérou. Ça me paraît pas hyper charismatique dans le concept. Mais je suis pas sûr qu'on soit compté comme un officier. Les officiers, c'est le Bosco, le maître charpentier et compagnie. Je sais pas si nous, on est considéré comme un officier. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Eux, ils veulent pas. Est-ce que du coup, on a des femmes? On a deux femmes dans notre pool. Par contre, on sait pas qui c'est. Notre morale est pas fou. Toi, tu fais rien là, j'ai l'impression. Hein. Non. Il est où le musicien? Timonier, pêcheur. Je suis sûr d'avoir vu un musicien. Ah voilà, il est aux réparations. Bah, tu vas aller à la musique, jouer un peu de musique. Toi, tu vas aller aux réparations. Toi, t'es un pêcheur, tu vas aller à la pêche. Les réparations, on en a encore un petit peu à faire, visiblement. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, d'accord, tu fais les réparations, mais il n'y a pas de réparation. Non, je l'ai envoyé à l'infirmerie. N'importe quoi. Réparation, s'il te plaît. Excuse-moi. Excuse-moi, Chavarov. Au puits, on finit de remplir notre charnier. Ouais, on peut mettre un petit peu d'alcool. Allez, boum. On va rééquilibrer nos canons pendant qu'on y est. Comme ça, Jilid va pouvoir arrêter de travailler au puits pour rien. On va l'envoyer au canon. On a qui? Une personne qui nettoie. Toi, Malvin, tu ne fais rien. Tu vas aller t'entraîner un peu à nettoyer pour la peine. On a un petit musicien, ça va faire monter notre morale. On répare, on musicionne. Parfait. En avant. De retour au navire, le capitaine s'est précipité jusqu'à sa table où il a déroulé une nouvelle carte. Un signe de la main. Il m'a intimé de venir, il a placé son doigt sur notre carte. Encore un trésor. A mon avis, c'est à cet endroit qu'il faut aller où j'ai mis une croix. Non, c'est à côté là. Ah, on a découvert une ville ici, on la connaissait, je sais plus. Possible, parce qu'on sait ce qu'il y a. Oui, je contredis. Moi, je dis que c'est là. Bon, d'accord. Cheveux. Notre pavillon en plein... Pourquoi pas? Pourquoi pas, en pleine ville, ça se tente, hein. Y en a qui ont essayé. Toi t'es au gréement, tu vas aller au canon, toi tu vas aller au nettoyage.
On a déjà deux personnes donc je ne peux pas au canon. Damned, tu vas aux armes. Et il y a Mister Gecko qui est au puits, tu vas aux armes. On n'a pas de coque de pêcheur hein, ici. Ah, ça c'est une matelote. C'est qui? C'est Amine qui est une matelote. C'est vrai que c'est accordé, j'avais oublié. On peut voir ça comme ça. On reviendra au Cartribord. Donc du coup, oui, je regardais si on avait des pêcheurs. Pêcheurs, oui, on a lui qui est pêcheur. Niveau bouffe, on est comment? On n'a plus grand chose. Donc on va envoyer Roxler pêcher. Hop là, en avant, pêche. Deux qui nettoient, deux aux armes, un au canon, c'est pas mal. Et on est reparti en mer. Une petite carte. Ah non, ils veulent un navire à piller. Ok, ils veulent raser des gens. Oula, on avance bien là, il y a du sacré vent là. Alors reprenez vos positions. Qu'est-ce qu'on a? Deux qui nettoient, un à la vigie, un à la barre, deux au gréement, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est un peu la violence. On va essayer d'aller un peu dans le grand fond là. Force du vent 6, alors peut-être que 6 c'est un peu trop fort pour nos voiles, on va voir. On mangeait dans l'obscurité du pont inférieur car la nourriture était probablement habitée. D'accord. Flofou m'a alors dit, pour être marin il faut avoir de l'imagination, ou du moins il faut la développer si on veut pas mourir de faim. Sympathique. Flo le fou, bah non, t'es toujours fou. T'es toujours fou. Pas de problème. Ah oui, maintenant on distribue le matin. En avant. On dit 20% d'alcool dans la flotte. Ça devrait leur remonter un peu le moral. Par contre, j'aime pas repartir en mer et avoir déjà des gens malades, quoi. C'est franchement pas bon. Il y a des gens qui glandent là. Alors déjà, reprenez toutes vos positions. On a beaucoup trop de gens au gréement, donc toi tu vas, bah oui, tu vas aller au gréement parce que tu es un gabier. Et toi tu vas aller pêcher un peu, écoute, mon cher. Damned est à la barre, c'est bien le timonier, oui. À la vigie, on a le coq. Amine qui nettoie. Rocker qui pêche un peu bourré. Ziking qui pourrait devenir gabier petit à petit. C'est jouable. Le vent est plutôt à l'est, hein. Sacrément à l'est même. On va louvoyer dans la zone, on va bien trouver un navire. Puis en se rapprochant des îles plus bas. Un incendie, oh non, s'est éclairé au niveau des cales, détruisant quelques marchandises et brûlant une partie du pont. Nous avons tout de même réussi à l'éteindre sans qu'il ne fasse plus de dégâts. Nous avons perdu 0,7 tonneaux de tissu. Ah, oh, du tissu en plus. C'est rare le tissu, fait chier. Bah on va enlever Z-King et Z-King il va les réparer finalement. C'est la vie, c'est comme ça. Le vent se calme un petit peu. On repart au nord, bof, pas très envie de repartir au nord honnêtement. On va un petit peu vers l'ouest, pourquoi pas. Le moral est pas si mauvais, franchement ça va. On a encore besoin de réparer visiblement. On va ponctionner un qui nettoie pour réparer à la place. On a une vigie, on a ce qu'il faut. Alors c'est qui du coup la demoiselle? Matelot, pêcheur, coq. Ah zut, ouais, mais alors il y a peut-être des trucs qui s'accordent pas plus que ça. Ouais, en fait, je sais pas du tout comment voir si un personnage est masculin ou féminin. On a deux femmes, c'est peut-être le capitaine serait peut-être une femme. C'est pas évident. Je ne sais pas, tant pis, c'est pas très grave. Hein. Je voulais essayer un truc tout de suite d'ailleurs. Est-ce que si je mets un nom ici... ça renomme, je sais pas si c'est considéré comme sobriquet, on va tester. On m'a demandé un pêcheur. Donc du coup j'en profite. Pourquoi je peux plus cliquer dessus? Erwan. Est-ce que du coup ça me dit... Roxer dit Erwan? Non, ça me dit pas. Du coup... on va...
ça ne marche pas de renommer comme ça. C'est pas très grave, j'étais pour tester. On a regardé la carte? On n'a pas regardé la carte encore. On va à l'est? Allez, on va à l'est. On répare notre petit bateau. J'ai pu discuter avec Neku et j'ai découvert après quelques échanges qu'il était chanceux. Il tient pas l'alcool, il est chanceux. C'est un gabier. Et bah du coup, ce sera pas Erwan parce que Erwan veut un pêcheur, mais ça sera Zmoisis qui m'a demandé un personnage également. Bienvenue à bord, Zmoisis. On va tout de suite aller voir ce que ça fait quand tu es chanceux. Tu peux gagner de l'or ou d'en dépenser lorsqu'il est à la taverne. Ah ouais, bah c'est cool. Je sais pas trop si ça sert à quelque chose globalement ou si c'est que pour lui, mais c'est cool. C'est plutôt cool. Tout le monde est malade quoi, c'est le drame. Les réparations c'est fini. Reprenez donc vos positions. Roxer il pêche, toujours. On regarde la carte, on y va, c'est bon, on regarde la carte. On va tourner en rond puis on va essayer de remonter vu que le vent est, avec nous. Après on a un vent à deux. Je sais pas si on peut dire qu'il est avec nous, mais c'est comme ça. Un requin a heurté notre coque, l'animal étant été déstabilisé, nous n'avons eu besoin que de peu de manœuvres pour le tuer et le remonter. La taille de la bête, son apport en vie ne sera pas négligeable. Ah bah c'est cool, on était un peu en dèche là justement. Hop. Le pavillon bleu, oui ça me va, j'ai pas de problème avec le pavillon bleu pour l'instant. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui réparait là? Oui, on avait quelqu'un qui réparait, bah tu vas retourner nettoyer du coup. On a un pêcheur, normalement c'est Flo le pêcheur. Hein. On va aller pêcher un peu. Avec sa belle coiffe de... d'indien là. Je sais pas ce qu'il fait. Alors, un de force du vent. Pouah là, quel enfer. Toujours aucun bateau en vue. Ah, ça commence à souffler. Ça c'est bien. On dirait que les maladies se guérissent. Ça, ça fait plaisir aussi. Ça veut dire qu'ils mangent bien, qu'ils sont en forme, que c'est sain. C'est plutôt cool. Lui, depuis 11 quarts, on lui file un médoc quand même. Ah merde, non, je dis ça, mais il y en a un qui est malade. Gilly, il est malade. État critique. C'est juste que je le voyais pas. Est-ce qu'on a Amine? Amine, va à l'infirmerie t'occuper de notre malade. Et du coup, il nous faudrait... bah, Roxler, tu vas aller nettoyer. Hein. Au moins quelqu'un, au moins une personne qui nettoie par quart, sinon c'est mort. On va profiter qu'on a du vent. On va essayer d'éviter la tempête. Ouais, par là par exemple. Oula, il se passait plein de trucs. En descendant les compartiments inférieurs, j'ai découvert que les marins jouent de l'or au dé à bord du navire. Non, ils ont signé la chasse partie et savent que c'est interdit. Les fautifs sont Zmoisis et Ziking. Faites ce que vous avez à faire, bah on fouette. Si je dois mourir, envoie-moi dans un drapeau noir. Bah non, on va juste fouetter Ziking. Ah bah non. Merde, il est mort sous les coups. Ah putain, mais oui, mais pourquoi tu étais en train de, jouer sur t'es en état de critique et t'es en train de jouer au dé sur ton lit de mort quoi. Forcément, bah écoute, désolé. Il est mort sous les coups. C'est bah je suis désolé Ziking. Bon, tu m'avais donné un autre nom, donc on va essayer de te retrouver quelqu'un d'autre, mais... Vu que Ziking, c'était un nom pour Legend of Keepers à la base. C'est quand même un peu la tristesse, hein, ça fout un coup au moral, forcément. Ziking qui nous quitte sur des coups de fouet, quoi. Bah reprenez vos positions, Jilith, tu vas mieux? Tu vas mieux, ok, parfait. Flo, tu retournes pêcher. On va ouvrir les voiles, on avancera probablement un peu plus vite. Et on va essayer d'aller vers l'autre ville là. Parce que pourquoi pas. J'ai envie de dire, on n'a pas grand chose à vendre. Hein, mais bon. Non mais on n'a aucun intérêt à retourner en ville, sérieux. Non, on a aucun intérêt à retourner en ville. Faut qu'on trouve un bateau là, il doit y avoir des bateaux. Je me demande si on va sur le bord de la map, si on réapparaît de l'autre côté. Oh, on peut essayer tiens. Allez, en avant. On va aller visiter le bord du monde! C'est ouf à quel point il n'y a pas un seul bateau quoi! Mais que font les gens? Alors ici, Flo qui pêche, ici on nettoie, ici à la vigie, Chavor va à la barre, Chavor c'est bien notre timonier, ouais. Et Malvin et Nikon au gréement. Les vivres, ça donne quoi? Ça donne que c'est pas ouf, mais qu'on en a quand même encore un peu.
Du plancton illumine le sillage du navire, ce qui propose une œuvre fantastique diminuant les tensions et les peurs. De plus, s'agissant d'un appât à poisson, il est susceptible que la pêche soit bonne. Cool. On a personne qui pêche, c'est parfait. Amine, tu vas retourner nettoyer. Et du coup, notre pêcheur, il est là. Parfait, il pêche. C'est bon, on va peut-être pouvoir choper un petit peu de poscaille. Force du vent à 3 vers le nord. Allons-y. Nos marins sont pas au mieux du mieux. Hein. Un requin! Ah bah fantastique, 1,2 tonneaux de vivres, en plus on avait pêché parce qu'on était remonté à quasiment 3. Oui je suis sûr, bien sûr. Il fait nuit, on a un bon vent, que dire de plus, oula oui on a un sacré vent même. Toujours aucun bateau en vue. C'est parti. Durant son quart de repos, Roxer a conçu quelques matériaux qui traînaient un balai brosse. Parfait, on peut mettre une personne de plus à nettoyer. Le pavillon bleu, je prends le pavillon bleu, on est dans une zone plutôt de bleu, même si pour l'instant il n'y a plutôt personne. Hein. Faut dire ce qui est. Une tempête bientôt, on va l'éviter. Au niveau des gens qui travaillent, on a quelqu'un qui pêche, est-ce encore utile? Oui. On va filer de la bouffe demain matin et ça va partir vite. Un banc de dauphins se décide à nous suivre en esquissant des figures de saut élégantes. Les marins ont observé le spectacle comme des enfants devant de marionnettes, un gain de morale inévitable. Attends, même avec ça on galère à niveau moral. Ah, puis il commence à y avoir des petites toiles là. Une seule personne qui nettoie, ça commence à se voir. Désolé Flo. Va falloir aller sortir le balai brosse. Et on est bientôt au bord du monde. On peut pas y aller ce tour là. On va voir, hein, ça se trouve, je veux juste plus pouvoir avancer. Ah, je vois Ignor qui se frotte les mains en regardant l'épisode là. De me voir découvrir que je vais être buggé. Enfin, buggé. Pas buggé, mais coincé sur le bord du monde. Peut-être que je vais basculer sur le bord du monde, on sait pas. Voyons voir. Allez, on sort la voile, les gars. Notre objectif est proche. C'est absolument pas ça que je voulais faire. Le vent, regardez-moi ça, le vent il fait exprès pour que je puisse pas vous montrer. Scandale! Qui c'est qui fait quoi? On va quand même jeter un œil. On a une personne au gréement, une personne au nettoyage, une personne à la pêche. Ah oui, du coup, on a Zikin qui est mort sur ce quart, donc on a une personne de moins. La pêche. Ah, on est redescendu à 3-4, forcément, on vient de manger. Allez, en avant. Nikon Bossro est venu m'informer qu'une bonne partie de l'équipage trouvait que ça faisait trop longtemps qu'on poursuivait le même objectif. Il souhaite abandonner l'objectif en cours. Bah, c'est vrai qu'on galère à trouver quoi. Je suis d'accord avec eux. Oui, moi aussi. Une carte. La carte, l'emporte. Alors, quelle carte on a choisi? Celle-là, c'est pas mal. Et voilà, et regardez-moi ça. Vent zéro. Moi je dis, on m'empêche d'aller me jeter sur le bord du monde. D'ailleurs on voit que quand je vais par là, il y a un petit glitch, donc je pense que c'est bloqué hein, quand on y va. Mais quand même, je te vois. Allez, on va essayer de rechauffer du vent. Ah, un vaisseau, un pavillon gris, un navire marchand de type cargo à voile. Moi armé, alors il a une ligne de flottaison basse, c'est pas ouf, mais la force du vent est de 5 nœuds. Ah bah oui, il nous faut un navire pour remonter un peu le moral là, parce que ça devient sacrément critique. Hein. C'est parti. Ah, Zmoy n'a aucun équipement, on va lui filer un bouclier et un poignard. Jill aussi n'a rien, on va lui filer un bouclier et un poignard. Le reste ça va, si Chavarov a juste un pistolet, on va lui filer un poignard parce que le pistolet c'est à un coup, hein, je rappelle. En avant. Alors, les voiles. Boulet ramé. Feu. Faut qu'on le rappe. Ouais, j'allais dans le mauvais sens, j'ai un peu de mal encore avec ça. On continue de se faire plaisir là. Flo qui baisse le moral. Allez, vous avez fini de recharger. Feu. À couvert. Moi le capitaine nous fait confiance et ça fait plaisir. Allez, rechargez-moi ce canon. Ah, raté. À couvert. Et après vous rechargez. On sent pas trop les 5 nœuds de vent là. Hein.
Les gars sont pas au taquet de l'efficacité, moi je trouve. Hein. J'ai pas regardé, mais ça se trouve, Z-King était au gréement et du coup, on a une personne de moins au gréement. Allez, finissez de recharger ce canon là. Alors, on a presque touché leur, leur canon. C'est bon, c'est rechargé. Allez, on recharge. Feu. Parfait. On recharge. Ils tirent plus, ils doivent plus avoir de boulets. On va donc essayer de terminer leur voile. On recharge. Allez. Ah, ça met un petit peu moins de stress dans le combat quand il n'y a pas le capitaine qui hurle ses ordres à tout va là. Vous allez me détruire cette voile qu'on le rattrape plus vite que ça? Voilà, merci. Allez. Hop, on va viser la coque. Et on va tirer au boulet ramé. Alors oui, Ignord m'a dit que les boulets ramés étaient efficaces pour faire des dégâts au canon quand on visait la coque. C'est pour ça que le capitaine... a tendance à choisir des boulets ramés pour viser la coque. Parce que si on arrive à les faire se rendre en détruisant leurs canons et en détruisant leur morale, bah ça rapporte plus que si on coule, parce que si on coule, on est obligé de récupérer hein, vaguement ce qu'il y a sur le sol quoi. Ah non merde, ils ont refait leur voile là. Feu. Ah merde, je suis passé en mitraille du coup. Boulets ramés, les voiles. On recharge. Voilà, c'est mieux. Bon, ils étaient carrément moins bien armés que nous. Hein. C'était un léger euphémisme. Allez, la coque, la mitraille. On va essayer. Je suis peut-être un peu trop loin pour la mitraille parce qu'ils ont l'air de trouver bizarre que je donne cet ordre. Donc on va y aller au boulet ramé plutôt. De toute façon, on va les rattraper. Je voulais essayer de leur envoyer de la mitraille pour leur faire un petit peu plus mal avant de les aborder. Mais allez, on empanne. Mitraille, un dernier tir. Feu. Ah, ils ont refait leur voile. Ouais, bon, on les rattrape. C'est bon. Allez, on a notre, notre petit poignard. Oula, on se fait défoncer. Attention. On se fait défoncer, ne faisons pas n'importe quoi. C'est fini, récupérez tout ce que vous pouvez et coulez le navire. Ah, il est intéressant leur navire aussi. Il est même sacrément intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emplacements. A 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, et puis ça, c'est des emplacements à 8. Non, bah on le prend ce navire, mec. Quitte à leur en privé, vous avez raison, mais non. Ah, bah il veut pas. Et eh ben c'est triste. On a un timonier. Allez, on prend. On prend, on prend. Bon, on a gagné un canon. Ils avaient juste un canon. Il leur restait des boulets, tiens. Pourquoi ils tiraient pas? Ils devaient penser qu'ils étaient perdus. Un peu de charbon, de l'alcool qui est là. De l'or, c'est pas fifou l'or. Hein. Et de la bouffe. Ah bah, on va pouvoir arrêter de. Ils ont de l'eau vieille de 1 quart. On prend. Et les vivres, on va pas se remplir non plus de vivres, on va prendre 8 plus 5, c'est bien assez. Allez, c'est parti. Il fait tout noir, qu'est-ce qui se passe? Le capitaine est mort durant le combat, cependant nous ne pouvons nous laisser abattre. Sans perdre de temps, nous allons procéder à un vote avant d'en élire un nouveau. Ah! Le capitaine est mort! Comment il a pu me dire que il voulait pas que je prenne le bateau alors? Alors, l'élection du nouveau capitaine se porte sur deux personnes jugées les plus appropriées à ce statut. Qui, selon moi, en aura les épaules? Entre Damned et Malvin. Ah, le choix est difficile. Malvin est souffrant, il est mauvais tireur, faible résistance, force médiocre. Ils sont tous mauvais, en fait. On va prendre Damned parce qu'il risque pas de crever de maladie. 8 votes pour Malvin, 5 votes pour Damned. Ah bah non, Malvin est notre nouveau capitaine. Ah, il va être ingérable. Il va être ingérable. Il nous faut un maître voilier. Bah oui, puisque c'était Malvin le maître voilier. C'est donc Smoisis qui va être le maître voilier.
Bah quand même, on a quand même réussi à trouver un bateau sur les bords du monde, hein, c'est propre. Hein. Mais du coup, on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.